Welcome back to ESA Summer 22. This event, we're raising money for Save the Children. Links to donate can be found below the stream. We would like to thank ViewSonic Gaming for their monitors this event and Twitch. Now it's time for the wonderful Yajiji going to be running a Neon Drive. Please take it away. Alors, bonjour à tous, bienvenue. Voilà, on a la run de Neon Drive. Bonjour à tous, bienvenue pour cette run de Neon Drive. Je me présente, je suis Olvin, je suis accompagné par Sir Tank. Eh bien, bonjour à tous, comment vas-tu, Olvin ? Eh bien, ça va, tranquille. On a une petite run pas piquée des hannetons. Neon Drive, un jeu entre un jeu de voiture et un jeu de rythme. Vous allez comprendre pourquoi rapidement. L'objectif, c'est que donc on va faire les 8 niveaux du jeu dans la difficulté insane. Les 8 niveaux qui vont être à difficulté crescendo, on va dire. Autant les premiers niveaux sont assez, je dirais pas promenade de santé, mais on peut s'en sortir juste avec le, comment dire, on peut s'en sortir juste avec les réflexes. Autant à partir du niveau 4, c'est là où il va falloir commencer à sortir les, Eh bien les réflexes, si on peut le dire comme ça. Et bah c'est là, ça va être du, ça va être de l'apprentissage, hein, très clairement, à partir du niveau 4. C'est un jeu effectivement qui est frénétique au bas mot et qui a un sens effectivement de, on veut, comme tu disais, de l'apprentissage très particulier. Vous allez rapidement le constater dans le sens où, eh bien, comme tout bon jeu de rythme qui se respecte, le petit fail. Il y a eu un petit. On va attendre un tout petit peu et on commence du coup avec cette run, le premier niveau. Voilà, l'objectif c'est que vous êtes une voiture, vous ne pouvez bouger que sur la gauche ou sur la droite. Et les déplacements latéraux, effectivement, entre guillemets, suivent le rythme ou le tempo du thème qui passe à l'arrière. Et au fur et à mesure, effectivement, que la vitesse va augmenter, comme dans quasiment tous les jeux de rythme qui mêlent un peu d'ambiance psychédélique, il va devenir de plus en plus difficile de percevoir les obstacles qui arrivent devant nous et il faudra agir plus au son qu'à la au visuel. Donc là, on est sur un petit niveau de simple esquive en rythme. Et puis après, ça va devenir, comme on dit, un peu plus tendu. Là, le premier niveau est assez. Je dirais pas non plus que c'est une formalité. En hein. Insane, c'est pas non plus évident. Il a fallu quelques essais avant de réussir à le passer en Insane. Mais c'est quand même. J'ai beaucoup aimé ce jeu car je suis absolument pas amateur ni de jeux de rythme ni de jeux de course. Je suis une immense moule justement au niveau de la coordination de mouvement plutôt que des réflexes, on dira. Mais ce jeu effectivement a l'avantage d'avoir des thèmes effectivement qui ont un certain temps de construction, une petite phase d'intro, et oui, le jeu est relativement cette transition. Particulier justement, en gros le niveau sont construits en deux phases. La première avec cette phase, comment dire, en vue de devant, avec les obstacles à éviter, et la deuxième qui est une phase complètement différente à chaque niveau. Vous allez avoir un peu ce gimmick. Ici, le gimmick, par exemple, c'est on est à contresens sur l'autoroute. Alors, est-ce qu'il va passer Donc là, du coup, on va tranquillement arriver sur la fin du niveau. Très, très bien évité ici. Il reste qu'une seule difficulté majeure à la fin avec un double barrage. Si mes sorts sont bons. Voilà, ici. Et bon. Malgré le faux démarrage au sens propre du début, voilà, un premier niveau parfaitement négocié. Donc moi, comme je disais, personnellement, j'ai jamais complété le jeu en Insane, hein, mais je reste assez admiratif et il m'est arrivé quelques fois de suivre Yajiji effectivement sur ses trainings. Et je suis à ma foi incapable de me souvenir où il en est actuellement du leaderboard. Peut-être tu pourras Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est avant-dernier du leaderboard, faut que je vérifie. Voilà, et pourtant, vous allez voir que le niveau d'exécution est déjà assez inouï. Donc, on enchaîne sur un petit niveau plus de chien. Insane, il est deuxième sur deux. C'est avant-dernier si on veut. Voilà, donc là, cette ambiance qui a un peu changé, une ambiance un peu. En fait, c'est des musiques un peu, comment dire, synthwave. Avec pas mal de thèmes assez, comment dire, années 80-90. Oui, l'inspiration entre guillemets de la voiture laissait assez présager ce choix de thématique. On est sur du bon néon justement.
Ça, vraiment, on dirait pas. Mais il m'a fallu un nombre de tentatives absolument infâmes avant de réussir à passer 100 000 Sane. Moi, je n'ai jamais complété la totalité des niveaux en Insane, hein. Je Alors, moi non plus. confesse. Clairement, moi non Voilà. plus. Mais il me semble, si celui-là s'est passé, il me semble que le précédent, déjà, j'ai abandonné. On verra ça dans quelques instants. Donc là, effectivement, comme tu dis, la variante. Plus de pistes, uniquement la lecture. Alors, est-ce qu'il va tenter le, comment dire, est-ce qu'il va tenter le frame perfect out of bounds à la fin? Ouais, bon, malheureusement, il l'a pas Non. fait. Mais en gros, ce qui se passe, c'est si vous décalez exactement au bon moment, en gros, vous allez être en out of bounds, mais vous allez continuer vu qu'en gros, le circuit est déjà terminé. Alors, on attaque du coup une ambiance beaucoup plus techno, avec un niveau beaucoup plus aussi oppressant à cause de la quantité d'obstacles et du Avec, fait que ce soit. Vas-y. avec des obstacles qui arrivent vraiment, mais dès la première seconde. Hein, donc il faut C'est ça, c'est. savoir. C'est autant ce que j'allais dire. Il n'y a pas la phase de préparation, échauffement des autres niveaux. Là, on rentre tout de suite dans le sujet. Et c'est un niveau qui m'a particulièrement dégoûté, mais dont par contre le thème est très très plaisant aux oreilles. C'est ce que pour être honnête, j'ai fini ce jeu en normal, parce qu'en gros il y a trois difficultés, normal, hard et insane. La différence entre les niveaux, c'est normal, la vitesse est à, je crois, 75% de... La vitesse de la musique est à 75%, et vous avez le droit à des checkpoints au milieu de ces zones. En transition de gameplay, effectivement, c'est comme C'est tu le comme disais ça. tout à l'heure, ce qui change la donne, vu qu'on a le temps du coup de se réacclimater entre guillemets. Et donc là, le passage en vue arrière. Avec comment dire ce vaisseau qui nous suit, et il va y avoir quelques petits comment Aïe, oh aïe. là ouais il va y avoir quelques petits trucs que Yajiji va faire qui sont pas forcément prévus par le jeu, on va dire. Déjà, on va voir que voilà, il va gratter jusqu'au bout du cycle laser. On a Ouais, c'est ça. l'impression que ça que ses jantes vont commencer à griller, mais tout va bien. Effectivement, l'effet graphique persiste plus longtemps à été que la hitbox des obstacles, des fameux lasers. Il faut juste connaître par cœur effectivement le tempo. Ah, effectivement, c'était joli. Petit Très très bien négocié. un petit échec sur la route, mais rien de bien grave. Par contre, on sent Yajiji effectivement assez tendu. Il faut tout C'est pas donner, évident. c'est ça. Bon courage à lui. Avec Éclate pas cette son musique ailleurs. très punchy du coup pour niveau 4. Oui. Qui étonnamment m'a posé moins de difficultés que le précédent, mais parce que la deuxième phase effectivement de gameplay, la deuxième approche m'a beaucoup plus plu. Effectivement Donc du coup, ouais, la différence entre les niveaux, c'est donc normal, vitesse à 75% plus des checkpoints au milieu des zones. Genre par exemple ici, il y a un checkpoint normalement. En hard, la vitesse est à 100%, mais on a toujours les checkpoints de milieu. Et insane, qui est donc la difficulté la plus haute, où vous avez juste un checkpoint, comment dire, au milieu, donc après le, comment dire, entre la, au niveau de la transition. Transition qui est un peu particulière dans ce niveau, encore plus que dans les autres, puisque là, hop, nous transitionnons carrément sur un autre axe, entre guillemets, de déplacement. Un petit Tu astéroïde hein, pour le coup. Le petit shmup des anciens temps. Avec une petite musique chiptune du plus bel effet. C'est ça. Et ironiquement, même en Insane, c'est la partie du gameplay la plus simple, alors que le Oui. shmup est réputé le plus difficile. Mais en réalité, voilà, même si l'écran paraît très large, en fait, on respecte toujours le principe de uniquement 4 pistes pour se déplacer. Et du coup, en réalité, voilà, juste en spammant et en se déplaçant, surtout en connaissant par cœur les angles d'apparition des astéroïdes, c'est en théorie une preuve de santé. Et c'était le cas, bien joué. Donc il faut bien des Extrêmement petits bien moments de négocié. respiration. Ah! Avant le niveau 5 qui va Ouais, déjà commencer aïe, aïe, aïe. il va commencer à être un peu moins évident celui-là. Ça commence à être violent, effectivement. Petite ambiance parking souterrain, on va dire. Et vous allez avoir le changement d'ambiance en tout cas à la transition. Et Yaji qui dit que ce niveau est son préféré. Honnêtement, c'est un niveau qui est vraiment excellent.
Après, il n'est pas tout à fait évident quand on le fait pour la première fois, c'est vrai. C'est ça. J'ignorais qu'il le considérait comme son préféré. C'est vrai que je suis clairement pas de cet avis-là, mais c'est un niveau qui a clairement son petit effet. Après, quand on connaît, comment dire, les patterns quand on connaît les patterns de la deuxième partie, ça peut rapidement être quelque chose d'assez particulier. Et voilà. On arrive du coup sur la partie Blade Runner. Voilà, est-ce que vous avez la ref? Parce que vous allez la voir tout de suite. Donc là, on est au milieu du trafic à contresens. Les meilleurs d'entre vous auront déjà eu la ref, mais... On se dirige effectivement vers des bâtiments d'architecture néo-gothique légèrement suspectes. Bon, ce qui est impressionnant, c'est que tout le monde a l'air d'être habitué dans cet univers. Personne ne klaxonne. Hein. On est à contresens, puis à double contresens. Alors, maintenant, et si, personne ne voilà, geste. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a complètement mémorisé il a complètement mémorisé ce qu'il doit faire. Ça, il utilise des safe spots effectivement, entre les deux sites de transition, vu qu'en fait, sur chaque piste, en fait, on va passer une route, une des routes qui est en dessous de nous. Donc même si on a l'impression qu'il va rentrer en collision avec des véhicules, là, il anticipe effectivement le déplacement des véhicules sur les deux axes. Bon, ben, on sentait que le niveau était maîtrisé. C'est un niveau sur lequel il arrive de voir les game over assez fréquent. On sent qu'AJ, effectivement, l'aime et l'a bossé. Elle a et complètement là, changement d'ambiance. On repart sur un niveau beaucoup plus lent, mais ce n'est que le début. c'est là, très clairement, vous allez voir que ça va être... petite ambiance, aérobique au niveau de la musique. C'est ça. Avec... Ah oh no. Adorable. Adorable. Par contre, perte de concentration, c'est difficile, surtout en live. On l'encourage encore une fois. Les jeux de rythme, surtout qu'on n'est pas sur son setup, c'est toujours assez compliqué de rentrer dedans, entre guillemets. C'est clairement pas les performances les plus faciles en live. Voilà. On peut respecter cet effort louable qu'il fait déjà de le présenter en marathon. Ah, et le public, dont certains francophones, dont on ne citera pas le nom derrière, qui encourage, ça fait plaisir. C'est, en tout cas, tu as une bonne partie de la communauté francophone qui est... Ah oui, clairement. Et là, on change d'ambiance pour le checkpoint, on passe à la partie Top Gun. Il est une des rares parties qui peut avoir quelques défauts de lisibilité, vu qu'en fait, pour savoir... En fait, quand on touche les obstacles à cause de notre déplacement qui est syncopé encore une fois sur un système de piste, c'est pas simple. Il m'est arrivé plusieurs fois en essayant, je crois qu'il me semble avoir veillé dans Insane Game ce niveau à force d'acharnement peu thérapeutique, mais il arrive effectivement qu'on décale un peu trop vu que oui, il y a un petit. Ah, exactement ça, merci à Gigi pour la démonstration. Il y a un petit délai effectivement entre le basculement de la caméra et certains de nos inputs. C'est très plaisant, mais c'est un niveau assez piégeux. Ah, terre, il était quasiment à la fin par contre. C'est vrai que là, c'est une perte de temps assez frustrante. Après, ça va, c'est pas non plus... Il y a eu pire, honnêtement. C'était déjà arrivé justement à Interglitch de se planter vraiment sur le dernier cercle, comment dire, sur le dernier truc du niveau. C'est vrai, c'est vrai. Et hop, là, voilà, on est... Hop. Et puis on reprendra un peu de musique... Voilà, parfait pour un petit échauffement d'après-midi chez vous. Le timing est bon. La ligne d'arrivée commence à se dessiner. Voilà, et cette partie-là qui est vraiment pas évidente. Hein. Et qui... Le choix des coloris est fait pour légèrement nous induire en erreur, on dira ça comme ça. Mais il a fini ce niveau. Pas un des plus durs, hein. On est encore aux phases d'échauffement en réalité pour quelqu'un de son niveau. Oui, très clairement. Mais c'était quand même un niveau qui pouvait encore une fois être tricky. Honnêtement, je trouve que le niveau 7 est plus facile que le niveau 6 en tout cas. Je le trouve beaucoup plus facile. C'est probablement le cas, encore une fois je ne suis pas assez un vétéran de ce genre de jeu vraiment pour me permettre de jouer, mais clairement voilà, après la petite phase de surprise de cette introduction que j'adore énormément, un des principes que je trouve les plus fun, je pense que tu as raison, c'est un niveau qui m'a pris moins de temps à maîtriser. Et accessoirement c'est aussi un des derniers niveaux où je trouve ça plus simple d'entre guillemets de céder des indices visuels que sonores. C'est ça. Oh, voilà, petit souci au niveau du bot. Tout à fait, petit souci de stabilité. Petit niveau de bot de restream.
Espérons que... C'est dommage parce que vraiment ce niveau-là est assez est très cool quand même. On passe dans une petite phase Transformers après ça. On y est là, là effectivement. C'est en cours. On a quelques petits soucis effectivement sur le bitrate. Petite feuille effectivement où du coup les déplacements latéraux deviennent des esquives et des sauts. Mais effectivement, c'est une deuxième partie qui présente beaucoup moins de difficultés, vu que là, il est tout à fait possible de la prendre par cœur, comme le reste des niveaux de rythme, vous me direz. Mais il est beaucoup Ah, ce passage-là plus est quand même difficile de se faire très très surprendre. dur. Ce Mais là, bah, passage-là est très très dur avec ce, voilà, les doubles sauts. Tac 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 ah bah, tac c'est tac la vraie technique des sauts de haie, hein. Il faut son élan et maintenir la position. Mais il reste que l'effectivement, Yagi le fait 100% au par cœur, et ça passera du premier coup. Bien joué à lui. C'est justement mais ce passage-là, comment dire, où on doit sauter ces espèces de haies, c'est du un tiers. Ce qui est vraiment pas évident hein, quand on connaît pas du tout le truc et on finit par apprendre. Et on attaque le niveau 8. Le niveau 8 qui est, comment dire, absolument infâme. Cette introduction est absolument magistrale, mais effectivement, celui-là, si vous arrivez à le finir en insane, et eh ben vous avez du potentiel, on dira ça comme ça. Moi, j'ai jeté l'éponge. Et par contre, J'ai il mis, je crois, 85 tentatives en normal, donc honnêtement, j'ai même pas testé en insane. de Après, transition. Ah, donc ici, on a comment dire, cette phase de vaisseau où forcément, faut bien toucher les, comment dire, les. On le voit, il y a très très bonne marge d'erreur sur les trois séquences. Si on rate un projectile et qu'on doit Il y a rectifier sa environ trajectoire, on se rapproche beaucoup trois trop de l'objectif. projectiles de marge d'erreur, je dirais. Je suis plutôt d'accord. Alors on en a vu sur la première phase, littéralement qu'il en a raté deux et qu'il était vraiment sa calanque était au ras des mines. Et du coup, on enchaîne encore avec une autre phase, du coup, de plus 100% d'esquive cette fois-ci. Et voici le Parti. pire! Voilà. Zéro marge d'erreur. On apprend le mouvement par cœur. On fait confiance à ses réflexes musculaires. Et on se prépare surtout au moment où il va falloir, voilà, transitionner. Parce que là, on n'a pas le droit de se faire avoir non plus. Très très bien négocié. Ouais. Vraiment, on s'en rend pas compte à quel point c'est extrêmement dur ce passage. Il y a vraiment zéro marge d'erreur, effectivement. Et en plus, il ne faut pas s'endormir sur la fin. Il y a quand même, ils ont prévu exprès une petite phase de jeu après. Et ce sera C'était. time. Et bah, ma foi, c'était une excellente run. C'était vraiment une excellente run. Le niveau 8 se passait en une fois, ce qui est extrêmement dur. Vraiment, on s'en rend pas compte. Effectivement, le niveau 5 était un peu frustrant pour lui, effectivement, mais globalement, ça a été performance. Et le fait de le valider en une seule et première fois que ce niveau final, c'est un tour de force à lui tout seul. Et donc, on félicite le conducteur de la botte laser. C'est ça. Il n'y avait pas d'incentive, hein, c'est juste sa blague à lui, oui. Le chevalier de la baguette. Et donc du coup, le prochain jeu, comme annoncé par le crew pendant que Yagi salue, ça sera Shadow Warrior 3. Ouais. Voilà. Qui bonjour. Bonjour. Vous avez raté un jeu quand même de la. Vous auriez pu l'appeler ça la botte mobile, mais. Je n'y ai pas pensé. Je n'y ai même pas pensé. Écoute, on était dans une ambiance trop chill pour réfléchir à des blagues. Oui. La botte mobile quand même. Et donc ouais, bah écoutez, merci tous les deux. Très belle run, Yajiji représente très bien. Excellent, ouais. Excellente run de la part de Yajiji ici. Très très cool. Hein. Qui a fait fort effectivement, je maintiens d'aller présenter à la fois un jeu de rythme sur lequel c'est pas simple de présenter en live, et en plus qui dure qu'une poignée de minutes, donc un bel effort pour la communauté, pour le spectacle, on le félicite. Enfin, surtout réussir certains niveaux du premier coup, c'est absolument pas évident. Surtout le niveau 8, qui très clairement est absolument. J'en parle, mais on sous-estime à quel point la difficulté de celui-là est absolument infâme. Du coup, là, on va avoir une pause là, parce que Shadow Warrior 3, on a personne pour commenter. Donc le stream va juste tourner pendant 1 heure, le temps de la run, et puis on reprend. Et là, cette fois-ci, ce sera non-stop. Donc, à partir de 17h40, on aura GTA Vice City. Donc, c'est temps que tu seras de retour. Avec Tao Sky, et ensuite on aura du Hades, du Gitadora qui est un jeu de rythme, Elden Ring, Sekiro Shadow Die Twice, et pour finir
Minish Cap, et ça nous traînera du coup de à peu près voilà, stream jusqu'à 4h du matin. Moi de mon côté, je vous retrouve mardi. Je vous retrouve mardi pour avec Shigan. Disons que j'ai eu un peu la primeur de ce qui va se passer pendant la run, puisque du coup je suis dans le Discord des Français de l'ESA et disons qu'ils ont un peu planifié ça. Ok, très bien. Il y aura des belles surprises. Va y avoir des surprises, va y avoir des trucs assez drôles. Si vous avez déjà vu la run de Paris-Marseille Racing en 2019, bien sûr, PMR. On est à peu près sur le même. Non, on est peut-être encore plus français que ça, très clairement. Mais moins, comment dire, moins français stéréotypé et plus vrai français. On va râler beaucoup. Peut-être. On ne spoil pas. Il y a plein de trucs, je ne sais pas du tout. Bah, merci à vous deux. Donc toi, Ulvin, mardi, et Serpent tout à l'heure, juste après cette run finalement. Donc, petite pause. Bon visionnage à tous, à tout à l'heure. Salut. Merci beaucoup à vous deux. Et donc voilà. Alors, rendez-vous dans une heure pour la suite du marathon. The penultimate quest in the run has a built-in check for a